Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Nurgle et Nurgle. Salut Akatsuki. Quoi? Non, moi je ne suis pas Nurgle, moi. Tu n'es pas Nurgle. Tu... Bah, non. Qui es-tu? Quel genre je de sens mauvais. Étrange es-tu? Je sens mauvais, mais je ne suis pas de Nurgle. Tu sens mauvais, mais tu n'es pas de Nurgle. C'est ouais. Ça. En fait, j'essaye, tu sais, de me dire que je ne joue pas Nurgle pour que j'arrive à le jouer. Moi, je trouve que c'est un petit peu hérétique comme manière de voir les choses. C'est ça, c'est pour moi c'est très très dur de jouer Nurgle, mais... Alors en vrai, est-ce que ce truc-là est intéressant pour le moment? Il y a quand même le coût de construction qui est pas mal. Hein. Et comment ça se passe chez toi? On va aller voir. Ça a l'air de bien se passer. À part l'autre là qui m'a emmerdé à faire le tour de la planète, ça va. J'ai toujours aucun bâtiment de recrutement, c'est un peu ça mon vrai problème. Ah bah moi j'en ai construit un quand j'ai décidé de faire la guerre à Malus. Bah là j'en ai lancé un aussi, mais... Bah, typiquement je me pose la question, ouais il y en a... Dans ma province principale, il n'y a que deux villes, et la petite du coup, elle est pas oufissime quoi. Mais dedans je peux faire un petit bâtiment qui diminue le temps de cycle pour les bâtiments militaires. Ouais. Mais du coup, c'est-à-dire que je fais les bâtiments militaires dans la grande ville, quoi. Mais bon. Après, avec les infections, tu peux les faire monter plus vite aussi. Après, je vais devoir de toute façon garder une place pour faire le bâtiment de repère, là. Donc, je pourrais pas faire de garnison à l'arbre potence. Du coup, est-ce que moi, ça tombe bien, j'ai pas de bâtiment de repère nulle part, donc tout va bien. Bah le bâtiment de repère dans une petite ville, c'est pas ouf. Du coup je vais peut-être pas améliorer ça, je vais garder le bâtiment de base. Oh, allez. Ça dépend de la ville. Hein, plus 3. Moi j'ai vu des villes avec des beaux petits bâtiments de repère. Hein. Chez l'Empire à Carrebourg, il est pas mal. Hein. Permet d'avoir la cavalerie moins chère. Hein. Le bâtiment de repère que j'ai là, il est pas mal. Hein. Durée d'immunité à la peste moins 1 pour toutes les pèses dans toute la faction et 5% de chance de propagation pour toutes les pèses dans toute la faction. Hein. C'est pas dégueu, ouais. Quoi. C'est pas dégueu, mais... C'est vrai qu'on a des trolls maintenant, avec Nurgle. Ouais, des trolls bilieux. Trolls de bile, ouais. Le dragon crapaud. Dragon crapaud, je pense qu'il est vénère. Hein. Ouais, bah c'est ta monture. La monture ouais. De Tamurkhan. Ouais, tout à fait. Bon, je l'aurai pas tout de suite, mais... Mais il est chiant. Et il fait des allers-retours, hein. Bah non, là, il a enlevé son amiral, mais il a fait pop un seigneur. Il a fait pop maudit. Mordis. La magicienne. Du coup, il a détruit son arche noire. Non. En fait, l'arche noire, elle peut faire caca des seigneurs. Elle peut faire des armées, comme une ville. Ah oui. Mais je pense, comme tu disais qu'il avait enlevé son amiral, je pensais qu'il l'avait drop, mais ça me surprenait. Non, il a fait se déplacer. Signer un pacte d'agression avec n'importe quelle faction. C'est bizarre cet objectif, sérieux. 45. Fais comme l'oiseau. J'ai pas beaucoup de chance d'embuscade. Ah la vache. Corruption de Tsinch plus 5 partout. Ouais, non, mais tu pourras pas t'enfuir, Jacqueline. Bah, c'est vrai que c'est un peu con de popper des seigneurs avec zéro troupe juste sur ta tronche. C'est ça. Bon, bah, disons que moi ça me. Ça tout seul, quand même. Disons que ça me va, ça fait de l'XP pour mes troupes et pour le seigneur. Quoi. J'ai pas envie de perdre 4 tours à glander. Quoi. Comme c'est un seigneur de garnison. Prochain tour, je passe à deux porte-peste. Epidemius, lui, il se régène. D'accord, il va chercher Kolek. Ah, la vache, il vénère l'orc. Après, c'est vrai que techniquement, la cité, là, elle est un peu à poil. Hein. Tu peux recruter quoi chez toi? Il est parti, mais bah que dalle parce que j'ai rien. Ah, tu rigoles, des crapauds, ouais. Des crapauds? Ah oui, tu peux recruter des crapauds. Mmh. Bah, c'est vrai que je peux recruter des crapauds de base, je sais absolument pas d'où ils viennent en vrai. Je peux recruter une bête de Nurgle même.
Mais ouais, je ça, sais pas du tout d'où ils viennent. J'ai aucun bâtiment qui dit que je peux l'avoir. Et... Mais non, ça c'est normal. C'est le recrutement de base de Nurgle. C'est des cadeaux de papa. Très bien. Je vais essayer de voir si je peux répondre la peste en m'approchant comme ça. Là. Il n'est pas revenu au roc noir en tout cas. 5%, 6% d'infectiosité, c'est pas oufissime. Hein. Je trouve. On peut mieux faire quand même. Pas revenu au roc noir, Malus. Il se balade quelque part et tu sais pas où, c'est ça? C'est ça. Et j'aimerais bien qu'il se fasse tabasser par Zench en fait. Ouf, tu t'avances là. Tu t'avances, je pense. Bah, peut-être pas mourir, mais tu sais qu'il perd des hommes dans son armée, quoi. Oui, qu'il souffre un peu. C'est ça. Que moi, je puisse lui casser la bouche après. L'amiral parasite, là, il vient chercher le roc noir, je pense. Il peut pas? Bah si, il peut tomber un seigneur qui va s'en occuper. Mais... Ah oui, mais ça, c'est pas grave. J'ai Epidemus qui est juste à côté, donc... Je fais une incursion, je le tue, je repars. Hein. Ouais, tu re-rases la ville et tu repars. Même pas, je l'empêcherai d'aller la chercher. Parce qu'il c'est peut faire caca qu'un seigneur, en fait. Oui, après, voilà. Il peut pas recruter, quoi. Voilà, il a fait pop au marin. Héros des tempêtes. Alors attends, défonce ça. Ah d'accord. Il y a collègue qui s'est pointé, qui attaque l'orque du coup. C'est ça, et toi t'es dans la bataille, en renfort. Et moi j'ai droit de venir en renfort ou pas? Bah en vrai, je vais peut-être y aller, hein, parce que... Bah vas-y. Hein. L'occasion de buter collègue... Alors, par contre, ce que tu peux faire, c'est même quand toi tes renforts ils vont arriver, il y a quoi comme... Bah vas-y, mais on peut regarder. Enfin après c'est vrai que si tu dis pour que moi je la vois. Mais bah, parce que... Ouais. Truc. Ah oui, non mais regarde. Regarde. Ce que tu fais, c'est que tu laisses les orques traiter avec lui. Et comme ça, toi, quand t'arrives, eh ben, les orques, même les orques, ils ont plus de force. Comme tu peux leur voler leur ville. C'est l'idée, hein. Là, je vais les aider parce que je pense que c'est quand même assez rentable que on se débarrasse de collègues, mais derrière, je leur tomberai dessus. Il n'y a pas de. Ah oui. Il n'y a pas trop de débat. Ouais. Ah, t'as pris un char de Nurgle. Bah oui, c'était une unité que je peux recruter avec mon chef. Une unité spéciale du chef, là. C'était gratos, du coup, je vais pas me gêner. Ah, il a deux dragons ogres. Ah, mais il a deux dragons ogres, il a son canon, il a beaucoup de champions et de sorciers. Ça va pas être. Je pense qu'il va falloir qu'on l'aide, hein. C'est un sorcier de Zench? Non, c'est pas à école de ça. Je crois pas. Non, c'est, base, hein. C'est un sorcier de base, mais il avait un bonus. Ouais. Bon, de toute façon, nous on peut pas jouer là. C'est l'ordinateur qui va jouer, et donc ouais. Ils vont attendre leur renfort. Avec raison, je pense. Et même ils reculent carrément. Un très très beau placement de la part de Kolek. Du coup, non, il s'appelle Chant le sorcier. Ouais, ça va, c'est pas E-Cold. En armure et avec la barrière. Sans d'armure quand même, il a plus d'armure que Colette, quoi. Il a pas de vassaux, Colette. Bah non, parce que du coup, son dernier vassal, l'orque l'a buté. Enfin, on l'a bien. Tué à deux, on va dire. Ouais, c'est bien, ça veut dire qu'il a pas ses bonus de... Parce que Colette, il gagne 5% de masse, d'armure, d'attaque et de dégâts, je crois, que par vassaux qu'il a. Après, peut-être qu'il en a eu temps d'en faire d'autres, parce que je sais pas où était son armée, elle était complètement disparue, et là, d'un coup, il s'est pointé de nulle part. Donc, non, c'est, c'est le seul qui peut faire dans la région. Après, il faut aller vers Village. Par contre, je peux peut-être mettre en vitesse 3. Ouais, parce que je me disais, il se passe vraiment rien, là. Ils attendent leur renfort tous les deux. Bah d'ailleurs, il a pas de renfort, l'orque, en vrai. Il ouais, mais t'attends toi. Oui, il m'attend moi, ouais. Non, bah non, c'est un défensif, donc il va attendre que l'autre il attaque. Il y a des chances. Voilà. Ça se déploie. Passer en vitesse normale, voir comment ça se passe. Ok, il attend. Ce
ce qui est bien, c'est que si l'orque bouge pas et que Kolek avance, il risque de laisser son canon tout seul. Ouais. Ça peut être donc, un travail pour les chars ou... Les chars. Non, non, les chevaliers, faut absolument pas l'envoyer dessus. Hein. Les chevaliers, il faut les garder pour aller taper du dragon ogre ou du troll, je pense. Je te donne ça, ça te va? Je te laisse les troupes rapides, on va dire. Il est sur cheval, Kavak, là? Ouais, il a une bête putride comme les cavaliers, normalement. Oh, okay. Il commence avec ça. Ouais, c'est ça. Okay. De toute façon, pour le moment, je pense qu'on va se regarder en chien de faïence. Hein. Passe en vitesse beaucoup. Je me cache derrière la montagne hein, pour pas qu'il puisse me tirer dessus avec le canon. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Bah, il avance directement sur l'orque. Ah, il accompagne le canon avec un seigneur, saloperie. Il est en train d'envoyer des chiens de guerre là, à droite à gauche. Ouais. Alors ce que j'aime bien, c'est que je suis caché, mais il envoie quand même des chiens de guerre vers moi. C'est le faux caché, le fameux faux caché de... Ouais, il t'a vu quoi. Puis je pense qu'il doit voir Kazak de toute façon, donc... Ouais, il le voit. Ouais. Ah non, moi il me dit que je suis caché. Bah là maintenant t'es caché, mais il y a 2 secondes t'étais pas caché. Il sait qu'il y a du monde là-bas, quoi. Il envoie du dragon ogre et tout. Bon, on va peut-être se faire ce petit détachement à nous tous, là. Alors... Ok. Le canon, je m'aligne dessus avec les chars. C'est tôt, là, encore, non? Il peut faire demi-tour rapidement avec ces dragons ogres, là. Ouais, mais ça veut dire qu'ils n'iront pas taper les orques, en tout cas. C'est vrai. Mais il y a son seigneur là qui m'ennuie là. Ah, c'est un sorcier, d'accord. Ouais, tu peux largement le gérer avec Kazak, hein. Je suis pas. Ah, c'est les deux sorciers. Kaïsk. Putain, mais ils ont mis que des noms imprononçables dans ce DLC. Entre Elspeth, Kaïg, Tamurka. Elspeth les dents. Elspeth les dents. Très bon moyen mémotechnique. Ok, bon, il coupe son armée en deux, il est confiant. Moi, ça me va plutôt bien. Il nous envoie du lourd quand même, hein. Troll du chaos, un peu de dragon ogre. Eh, hey, mais il avait trois sorciers, d'accord. Ah oui, je te dis, il avait un max de sorciers. Hein. For the Fly Lord. Ne vous inquiétez pas les orques, on arrive. Boum, voilà, la cave. Allez, passez. Non. On n'a pas réussi à passer avant la charge des dragons ogres. Allez. Bordel de clébard. Ok, c'est bon. C'est bon, on a le canon qui est éteint. Bien joué. Allez. Ok, c'est bon. On va s'en occuper, il va pas tirer. Il va plus tirer en tout cas. Ok. J'arrive pour faire une charge dans le dos. Hein. Dès que on sort. Pour l'instant ça du va. Du corps à corps. Bon, le nettoyage est clairement... clairement légite. Ok. J'envoie Kazak sur... le seigneur, le magicien là. Ok, bon, le canon c'est mort. Il va s'éteindre définitivement. Ok, je vais aider les orques. Ça les a tellement défoncés la charge. Merde. Là, quoi, il y a les maraudeurs là qui résistent. J'essaie de dégager un petit peu. Les seigneurs sont venus sur les petits chars. Hop, on va faire ça. On va se détendre. Aïe aïe. Le magicien, vas-y Kazak, Kariak, Kamalik. Malik. Qu'est-ce qu'il faut? On va l'appeler Malik. Okay. Faut s'occuper des dragons ogres là, le gars, demi-tour. Ok, moi je charge les déchus qui vont emmerder les tireurs orques.
Allez, le canon, détruisez-le. Et qu'est-ce que vous faites? Vous étiez en train de regarder le nain du chaos? Allez. Ils ont pris zéro dégâts les chars, quoi. Ok, on a chargé le déchu. C'est bon, c'est détruit? C'est détruit le canon. Allez, très bien. Une petite régène là dans le tas. Alors, je vais charger quoi? Les petits guerriers là. Allez. Ok, les déchus, c'est géré. Là, c'est la déroute. Je te laisse gérer. Yep. Je vais finir les trolls du chaos. Hop là, vas-y. Commencer à envoyer quelques troupes vers le copain. Pouf! Ah, d'accord. L'impact a été... décevant. Ouais. Les trolls sont en déroute. Allez. Par contre, l'autre enfoiré, là, il continue de nous balancer des sorts, là. C'est désagréable. Bon, on l'a gagné, celle-là. Hein. C'est sûr. Ouais, il y a collègue qui souffre quand même pas mal. Face au chevalier de la pourriture, il se fait avoiner. J'ai le seigneur spécial là qui arrivait. Les trolls du chaos. Les trolls du chaos qui vont fuir. Normalement. Allez, la charge des orques là. Oui! Ok, les trolls vont fuir, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, bim, voilà, tuez-le-moi cet enfoiré là. Oh, putain, il s'enfuit. Oula! On va peut-être pas perdre la cavalerie des pesteux. Ralenti. Ok, Ok, il a chargé. Ok. Il y a du dragon qui revient en renfort, très bien. C'est l'ordinateur, c'est ça qu'on va dire. Il a chargé, il a chargé un géant avec des magiciens. Tout va bien. Ça, on va dire que c'est l'IA, quoi. Son sorcier, il est insupportable, par contre. Lequel, celui de Zen? Il est en déroute, là. Ouais, le champ, là, avec sa cavalerie. Comme il fait le tour, mais partout autour de moi, c'est un truc de fou. Okay. Par contre, il faudrait peut-être la continuer pour essayer de tuer un maximum de personnages. Ouais, je suis d'accord. Les cavaliers pesteux. Genre collègue, je pense pas qu'on le chopera, mais... Ce qui est juste chiant, c'est qu'on va prendre masse tirallier. Allez. Troll qui s'enfuit par là-bas. J'essaie de tuer son seigneur magicien. Voilà. Bon, j'essaye pas de tuer collègue. Hein. Bon, c'est une petite malédiction de la limace pour essayer de rattraper 2-3 trucs. Les guerriers du chaos là, Halbard. Ah, les dragons ogres. Ah oui, ce serait peut-être pas con de les tuer. Putain, même en les ralentissant à fond, j'arrive pas à les rattraper quoi. Ça me donne pas de boost de vitesse, ça, non. 54 de vitesse et moi j'ai 45, quoi. Attends, bon. T'as des guerriers. Ouais, bah. T'as des guerriers Halbard qui te foncent dessus. Où ça? Tu devrais pouvoir les choper. Là-bas. Qui me fonce dessus, mais je suis pas du tout là. Bah. Dans leur direction, si, pour qu'ils atteignent le bord de map, ils foncent sur tes guerriers. Ouais, on va essayer d'aller choper, mais. Bah, c'est que ça ferait toujours ça en moins, quoi. Yep. Bon, on va essayer de choper ceux-là. On va assez vite, normalement, pour les rattraper. Toi. J'accélère un peu. Hop. Bon, le personnage est mid-life, l'autre sorcier là, je suis en train de... Oh oui, il va mourir. Ah, on voit quand ton seigneur légendaire là... Kaziak là... Kaiz, ouais. On voit quand il le tape. Hein. Il y a des pans entiers de la vie qui s'en vont. Bon, attends, hein. C'est fini de mon termine côté. Pas la bataille. Parce que là, c'est bon, son sorcier va mourir. C'est bon.
Eh bien, belle bataille. Ouais, ça fait plaisir. Ils ont été efficaces, hein, les chariots. Hein. Carrément, ouais. Et il lui reste encore de la force, alors que mine de rien. Eh bah, on l'a bien aidé, hein, pour le coup. Bah, on a diverti une bonne partie de... De l'armée du chaos. De l'armée du chaos, ouais. Plusieurs mecs à armes lourdes, et dragons ogres, un troll au moins. C'est ça, moi j'ai été chercher... J'ai peut-être été chercher les déchus un peu tôt, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu faire des ravages dans les gobelins, dans les archers, pour revenir derrière. On a peut-être été intelligent de pas faire autant de dégâts dessus, mais bon. Ouais, mais c'est pas grave, hein. De toute façon... Il a perdu 5200. Quoi, un boys dans sa garnison. Ouais. 5200, hein, quand même, les chariots. Bon, 15 000 pour les cavaliers. Nickel. Efficace, les cavaliers de la peste, là. Ouais, ils sont pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Bonne nouvelle unité de, pour nos amis... pour nos amis de Nurgle. Moi, je serais toi, j'irais peut-être d'abord tuer Kolek avant d'attaquer l'orc, non? Bah, je vais voir, ouais, parce qu'au final, il y avait une armée orque qui se dirigeait vers sa dernière ville. Donc, est-ce qu'il l'a piétiné, puis il a continué vers nous? Il a tué Kolek. J'ai l'impression, avec son orque. Mais par contre, il a pas pris la ville, donc je pense que Kolek a buté l'armée orque sur le chemin et a continué vers... Après, l'armée orque, elle est en marche forcée, donc ils vont être très fatigués si tu les attaques. Yep. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toi dans l'armée, voilà. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est. De toute façon, on va déclencher une guerre, je pense qu'il n'y a pas trop de... Il y a pas trop de doute. Pourquoi je peux pas me déplacer? Parce que je t'invite dans une guerre. Ah, oui. Ce serait une victoire de justesse, on perdrait un Urgling si on l'a fait en auto. Mon dieu. Il y a des fois où, voilà, il faut prendre des décisions difficiles. Mais t'es sûr? Est-ce que tu es sûr? Parce que c'était peut-être le Nurgling préféré de grand-père. Et pourtant... Je suis à 45% d'embuscade. Je vais aller m'embusquer. Alors, petit niveau. Des juste pour essayer de le voir. Pas trop le thème. Hop. Contagion virulente, ça fait quoi? Défense en mêlée moins ouais, 40. Et ça. Mais toi non plus, tu peux rien faire avec ton bateau. Ah, ils sont marrants les bateaux de Nurgle! C'est le truc de base. Ah! Je vois Malus. Ouais. Ouais. Un petit peu de bonus de charge, ouais. Tout ça, c'est pas mal aussi. Hein. En vrai, il peut pas m'atteindre, Malus Darkblade. Mais je vais peut-être aller chercher le bosquet corrompu. Est-ce que 3% de vitesse, c'est vraiment intéressant? Bah, la question se pose pour... Ouais, les nains du chaos, ça m'intéresse pas vraiment. Ça. Que 3% de vitesse, ouais, c'est sûr que... Bah, c'est 10% à terme, avec 10% de résistance physique, mais genre, c'est pour les ogres, quoi, donc... Attaque en mêlée plus 4 pour les grands immondes, les hôtels de guerre. Prendre ça. Il faut combien pour aller chercher ça? Ah, mais il peut jamais améliorer ses... les porte-pestes. Plus vite et plus fort. Bonus de charge plus 15 pour toutes les unités et vitesse plus 10 pour toutes les unités. Bah voilà, ça c'est un vrai boost. Ça c'est un boost qu'on voit du rêve. J'aime pas trop, mais c'est... 6 pour toutes les unités de cavalerie et de chars. Ok, ça. Rang recrutement et coût de recrutement. Ouais. Merde, il était en train de chercher des gens.
Bon. On va prendre ça, et toi du coup... tac tac tac, augmenter la mobilité. Bah ouais, carrément, tu vas augmenter ma mobilité. Y a pas de débat là-dessus. Très clairement. Après, il peut recruter que deux unités avec l'arche noire. Ok. Là, niveau recrutement, rien de fifou. Tac tac tac, les chefs, on en est où? 5 sur 7. Il faudra qu'on soit aligné pour ça, ok. Et là, le dragon crapaud, il faut qu'on soit engagé pour déverrouiller le recrutement gratos du dragon crapaud. De toute façon, faut qu'on fasse une petite pause. C'est quand que t'as ton bube bolos là? Au niveau 15, il a bube bolos. Donc c'est sa bestiole, c'est ça? Ouais, le dragon crapaud monture. Amélioration de poste avancé. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 6000 balles? Qu'est-ce que je peux recruter? Avec ça, tech. Recrutement allié. Bah oui, non, pareil, les mêmes trucs que moi, du coup. Mouche à peste. Ah, t'as de quoi recruter des déchus de Nurgle, tiens. Intéressant. Ah bon? J'ai ça, moi? Bah, avec le truc d'armée, ouais, visiblement. Je ne les vois pas dans mon roadster, donc... Bah, un peu comme moi, ouais, je peux pas les recruter non plus. Bon, il peut recruter que deux troupes. Pour ça, il est encore dans, ouais, il est dans le cercle. Ouais. Bon, allez. Là, encore deux tours et on pourra recruter des troupes. De toute façon, on va se faire un tour de reconstitution, si ce n'est deux. Et après, on va avoiner... Là, en plus, là, si, il a des murs, collègue, quand même. Il a des murs, Ouais, ouais, les forteresses nord, ouais. J'ai l'impression que Boris, ça se passe pas aussi bien qu'il le voudrait, hein. En même temps, il a dû se mettre en guerre contre tous les chaoteux du coin. Il n'a qu'une ville mineure, il démarre pas dans une situation de fifou. Hein. Deux villes mineures. Ah! Ah! Il y a un assaut, là. Il y a Marcus qui est revenu? Non. C'est ça. Ah, il t'a attaqué. T'es allé dans l'eau? Ouais. Ah oui, tu cherchais la voulais choper quoi. Je voulais choper au marin. Ah bah t'as cherché là quand même. Non mais on va se replier, c'est pas grave. C'est pas grave. Collègue qui veut une paix. Collègue qui veut une paix. Ah bah oui, il a plus rien. Oui, il a plus d'armée. Chaoteux qui veut une paix, on a tout vu. Par contre, faut que je fasse un pack de non-agression dans mes missions. Bah, essaye avec le démon patate. Ah, t'es loin aussi. Ouais, ça se tente. La roue brisée a été annoncée, les pourrisseux ont été anéantis. La douleur esquise a été anéantie. Ibi. Recruter un seigneur supplémentaire. Construisez un bâtiment cyclique. La colonie a reçu une peste. Rechercher 8 technologies, bébé. On n'est pas dans la merde parce que Malus il va revenir sur nous. Ah mais je vois Festus. Pourquoi je vois Festus? Vous possédez un culte dans cette colonie, hein? Ah t'as les cultes aussi toi? Ça m'a... Bah visiblement. J'ai un culte qui est apparu dans une ville de Festus. Ouais les cultes ça peut arriver tout seul. Hein. Ok du coup parfait. Et vu que lui-même il fait de la corruption de Nurgle, bah il a un culte. Lorsque la croissance est supérieure à 200... Ouais, c'est pas ouf. Ah oui, c'est l'attaque en goutte pas dégueulasse celle-là, je crois. Infection lorsqu'un seigneur est présent. Ok, ça... Une peste aléatoire s'abattra sur cette colonie. Non, bon, on va prendre le petit 5 de culte, le petit 5 par tour, là. Écoute, ça me va très bien. 15 de magie. Ah ouais, putain. Est-ce qu'on peut pas faire une petite, un petit peu de truc avec lui, avec Festus tant qu'on y est? Pendant 30 secondes, un renvoi de dégâts.
NU. Et 30 d'armure. Alors, toi. C'est vrai que c'est un guerrier du chaos, Festus, c'est pas un... C'est pas Nurgle en tant que tel. Toi, t'es en guerre contre qui? T'as un Lost de guerre de l'Apocalypse, il est en guerre contre personne, quoi. Il va finir par me tomber dessus, c'est sûr. Alors que, un vrai Lost de guerre de l'Apocalypse, ça va chercher tous les seigneurs du chaos. Bah, on est d'accord. Il est pas là pour glander, quoi. C'est un peu scandaleux. Alors, comment ça se passe? Il a recruté encore 20 000 seigneurs, mais ils sont pas dans l'armée. Par contre, il y a 10 troupes dans l'armée, plus un mec. Ah, c'est 1500 balles. On n'est pas totalement remis, on doit attendre un peu, je pense. Je vais recruter un Nurgling de plus pour le côté Nurgling. L'humanité est un virus. Cette technologie, quoi. L'humanité est un virus. Je suis dans la merde. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es, bah, tu t'es trop engagé. Bah en fait j'ai plus de thune et je suis bloqué, quoi. Tu veux des sous? T'es bloqué, comment ça t'es bloqué? Bah Malus il va revenir. Et il aura certainement pas pris de dégâts. Et tu veux pas pousser sur ces villes? Non, c'est risqué. Ah, je peux pas trop m'avancer en fait. Ah, tu pouvais prendre Roque Noir et puis. J'ai pas la thune. Bah, tu te faut combien? Dis-moi. Non, mais c'est pas grave. Je te file de la thune. Hein. Non, c'est bon. De toute façon, là, j'ai pas la distance pour le faire donc. J'ai 15 000 balles, hein, je peux te donner un peu d'argent. Hein. Ah ouais, monsieur est riche. Tiens. Non, mais passe-tour là. Passe-tour là. Ok, comme tu veux. Eh hey, monsieur a des thunes. Bah oui, puisque je dépense pas grand chose, forcément. Mon armée, j'ai toujours une petite armée à 11, moi. Hein. Bah tu dépenses pas grand chose, et on va dire que ta zone, elle a l'air plus simple que la mienne, quand même. Je pense que l'assaut sur Marcus était peut-être un petit peu... Bah le problème, c'est que je peux pas faire autrement. Bah tu vois, t'aurais pu aller chercher Boris, par exemple, voire traverser pour aller chercher le nain, ou... Ouais. À ta place, je pense que je me serais fait le démon patate, je pense. Ouais, mais c'est un allié, hein. Ça fait quand même un bon allié, hein. Ça fait un bon tampon, hein. Ouais, bah oui, mais du coup, ça veut dire que si lui fait tampon, faut que tu t'engages de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça. Mais parce que là, il a deux armées pleines, hein, démon patate. Ouais. Donc c'est pas. Ouais. Et je pense qu'il faudra que tu t'engages plus sur Marcus, du coup. T'ailles jusqu'au bout. Ouais, Malus. Malus, pardon. Malus. Marcus, c'est un humain. Ouais, Malus Mark Blade, là. Mais c'est parce qu'il a un truc Mark Blade. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est logique. Parce qu'en vrai, Marcus, ça me ferait beaucoup moins peur que Malus, tu vois. En fait, le problème, c'est que je connais trop l'Empire et je connais trop les elfes noirs. Alors, je sais que les elfes noirs, ça va mal se passer. Autorité militaire, elle est où? 5, ouais. Donc si je me barre, ça va diminuer. Après, si je lance l'assaut... On a comme ça. Mais après, je pense que peut-être qu'avec les deux armées, ça passe. On va se prendre un petit déchu de Nurgle d'Akat, là. Hop. Je sais pas, je peux pas les recruter, moi, les déchus. C'est bizarre, ce truc-là. Ouais, mais je pense que ça doit dépendre du niveau de colonie ou un truc du style, parce que... Ouais, ou alors c'est genre un truc... maintenant, c'est automatique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Possible. Au niveau 1, tu peux recruter ça. Au niveau 2, ça. C'est possible, ouais. Je sais pas, est-ce qu'ils ont changé plein de fonctionnements, donc... Et c'est pareil, moi, je peux pas les recruter non plus, mais je pense que toi, via le recrutement d'Alliance, tu pourrais, quoi. Ok, il y a déjà plus que 200 factions sur la carte, ça se nettoie, hein, ça ventile. Ah bah ça se nettoie assez vite, hein. Quand tu vois que le tour précédent, il y en a 3 qui sont mortes. Yep. Ah bah. Tiens, la lame sanglante est détruite. Ah, alors, plus 100 d'autorité. C'est-à-dire que Boris est là. Ça y est, on a notre bâtiment cyclique, excellent. Gardez 3 provinces sous contrôle. Ah bah voilà, regarde. Démon patate, il va s'attaquer à Boris direct. Nickel. Merci, démon patate. Du coup, là, on peut recruter. Alors, on peut recruter du déchu ou du maraudeur de Nurgle. Parce qu'on veut du maraudeur de Nurgle.
je pense que deux maraudeurs de Nurgle, on va arriver. Voilà, on va commencer à claquer un peu de la thune. Hein. Est-ce que t'aurais 1400 balles, s'il te plaît? Alors attends, parce que du coup, tout ce que je peux faire, c'est de faire des cadeaux, donc c'est pas des sommes fixes. Je te propose un paiement de 2769. Ouais. Ah bah il y a 69 dedans, donc c'est bon. Exactement. Je me suis dit que ça tirait parfaitement. Merci, monseigneur. Mais de rien. Ça m'a fait plaisir. Hop là. Oui, ça monte. Parce que je suis en guerre contre les revivalistes de Sturzun. Ils s'en branlent que j'ai massacré Kolek. Et bah écoute. Excellent. On va faire un tour de recrutement. Enfin, un tour de reconstitution. Quoique. Voilà, et on commence à faire monter la corruption de Nurgle chez notre ami Malus Darkblade. Il a mis ses seigneurs dedans, donc du coup c'est gênant. 18 points pour un crapaud, j'ai déjà 3 crapauds. En tout, on aura des maraudeurs à armes lourdes et encore un déchu. Ok. Je pense que je vais le prendre, le déchu. Voilà. Hop. Moi je te prends... Je te prends un porte-peste, tu vois. Vas-y, je t'en prie. Voilà, on commence à avoir une ligne de front, de quoi charger dans le dos des gens. Ça a quand même 55 de vitesse, hein, donc ça va plutôt être eux du coup qui tiendront la ligne. Ils sont une belle armure, avec l'aide des pestigores et des maraudeurs. Ça c'est vraiment les normes lignes, ils serviront à absorber les tirs du coup, je pense, ça sera toujours utile. On est fatigué, mais il peut pas venir, Malus, à moins qu'il soit en... invisible. On peut faire une peste, mais c'est pas... C'est pas oufissime dans le contexte. Ici, ouais, la moi croissance aussi, je pourrais... devient enfin correcte. Au prochain tour, je pourrais faire une peste, mais pour le moment, on a toujours notre peste. Ah ouais, c'est terminé, on l'a pas répondu suffisamment. Et je crois que t'as des bonnes... Elles durent plus longtemps, les tiennes. Ouais, elles durent 3 tours plus par défaut. C'est un petit peu tendu, 3 tours par défaut, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu cher, les pestes, quand même. Bah, disons que ça peut être hyper intéressant, mais 3 tours, c'est pas assez, quoi. Mais... c'est le problème. C'est dégueulasse, ça. Bah, je l'ai fait, j'ai créé une peste et j'ai pas eu la mission qui s'est validée. Peut-être prochain tour. Ou tu l'avais déjà fait. Bah non, ça fait... Bah ouais, ça fait déjà 3 tours que je viens de le voir, j'avais pas eu... Bah peut-être que t'as eu la mission juste après l'avoir créée. Non, j'avais pas la... Justement, je l'ai eu... Je l'ai eu avant, la mission. Ça, c'est sûr que je l'ai eu avant. Ah, bah écoute. Garder 3 provinces, total actuel 2. Mais j'en ai qu'une. Bah tu viens de créer ta... Tu viens de prendre la... Le ouais, mais je la contrôle... Ouais, mais je la oui, contrôle pas totalement, pas la province. T'es dans une province, ouais. Ah, d'accord. Ça suffit. Ah. Moi, je croyais qu'il fallait garder 3 provinces complètes sous contrôle. Alors... Oh, je vois Boris qui arrive. Au secours. Aidez-moi. Tu m'as l'air dans le mal, quand même, hein. Il faut que tu choisisses un côté et que t'avances, quoi. Ouais, mais il doit taper le démon patate. Ouais, l'ordi, il faut qu'il joue plus le joueur. Il va marcher en ligne droite jusqu'à toi et... Alors, toi, tu veux quoi? Une paix? Non, mais pas de paix. Il faut que je puisse pas avancer. Paix avec le chaos. Non, c'était l'orc, là. Oui, non, mais nous sommes le chaos. Ah oui, bah ça, oui, bien sûr. Définissez une cible de coordination militaire et ça donne 600 balles. Bah écoute... Oui, on va le faire, hein. Alors, écoute... Ah non, je peux pas, parce que je peux pas donner de cible à un joueur humain. Ah, c'est con, ça. Bon, bah, du coup, on aura pas 600 balles. Je peux attaquer ça. Bon. Plus 5 de commandement pour les grands immondes, les hôtels de guerre. Mais j'ai pas tout ça. Moi, j'ai des porte-pestes. Victoire à la Pyrrhus. C'est un peu léger, hein. Un bélier, des tours de siège. Allez, go. Ah, collègue qui va faire caca dans son froc.
Ah, s'il revient avant que je puisse lancer l'assaut et qu'il reprend le contrôle de son armée, c'est peut-être moi qui vais faire de mal. Non, je suis ça dépend. Je suis pas inquiet. Je suis franchement pas inquiet. Ça dépend de son armée, quoi. Là, du coup, il a quoi dans l'armée qu'il a recruté? Bah, il a pu recruter deux sorciers encore. Sinon, il a quoi? Ah, il a quand même un dragon ogre et un troll du chaos qui reste. Hein. Allez, hop. Et en garnison. Ah ouais, ça y est, tu t'engages. Bien, c'est bien ça, c'est ce qu'il faut. Je te propose qu'on arrête l'épisode avant de faire la bataille. Ah oui, oui, ouais, un peu. Faut, oui, comme tu me diras, vu ce qu'il y a. Ah mais t'as une petite armée. Bon allez, on l'a fait pour le plaisir, ça fera un gros épisode. Okay. Go. Dans c'est parce que j'ai peur qu'il me retire trop de troupes. Hmm. Parce que comme j'ai le déploiement d'avant-garde, pour toute l'armée... C'est vrai que là, du coup, triste morve, seigneur du vomi. Ah ouais. Allez, non, quoi. Non, mais dis-toi qu'il y a peut-être un viewer qui va vouloir s'appeler triste morve. Bah ouais, carrément. Je pense que franchement, ça se prend. Hein. Alors... Ah bah ton seigneur peut pas se déployer en avant-garde, par contre. Si. Ah, ok, comme il était derrière, je pensais que c'était que... Si. Bah de toute façon, quel intérêt il a... Ah si, il a un sombre retrait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Je me mets en mode cinématique, dis-moi si tu me donnes des troupes, mais... Non, voilà, je pense que... Je pense que ça devrait aller... Seigneur avec sa petite cloche. Oh là là, ça tire sur les Norglings. Eh ouais. Il continue de tenir. Je sais que c'est pas très efficace. Sautent, ceux qui font des espèces de géants, ceux qui roulent sur eux-mêmes, ils sont quand même tripés avec les Norglings, j'avoue. Et le contact est établi. Ouais, et c'est bon, nous avons réussi notre objectif. Les sombres faits sont pris au corps à corps. Ouais, j'ai... L'explosion de Norling est là. Oh. Ah, bordel, cassez-vous. C'est l'arche, ça? C'est l'arche. Mais ça va, il a utilisé ses pouvoirs d'arche sur mes Norglings. Et qui en plus était pas engagé réellement. Le buveur d'esprit vraiment. Ouais. Bah, y a pas de perso, donc autant que je l'utilise. Hein. Oui, non mais certes. Moi ça fait du moral. Hein. Bah ça fait du dégât quoi. Les Norglings qui tiennent deux infanteries de lanciers là. C'est ça. Hop là, on va laisser une unité de Norgling sur les sombres traits pour pas qu'ils reviennent. Hey, porte-peste là, tapez plus fort que ça là, vous avez des bras ou quoi? Tiens. Il y a l'air d'avoir plus de cadavres d'elfes que de porte-peste quand même. Oh la petite charge de dos de Norgling. Ils se mettent en boule et qui explosent au milieu des trous. Bordel! Cassez-vous! Mais il... Ah, il a assez amélioré pour avoir plusieurs tirs. Saloperie d'arche noire à la con. Ça va. Ah, ça fait pas très mal au début. Hein. Bon, ça fait du dégât, mais t'es pas non plus... Bon, déjà, il le place pas super bien, j'avoue. Je sais pas si c'est un bug, parce qu'il privilégie les unités qui sont à gauche de la liste d'unités. Mais... Je sais pas, hein. Mais ouais, j'aurais pas forcément frappé les Norwing avec... Bah ouais, par défaut, ça paraît pas forcément le choix le plus judicieux. Ça y est, c'est la déroute. Ok. Bien joué, c'est mieux qu'une victoire à la Pyrrhus. Bah, il m'aurait enlevé beaucoup plus de troupes, donc... En fait, à cause des sombres traits, et puis lui, il aurait pas utilisé le déploiement d'avant-garde, donc forcément... Ah ouais, non mais je suis d'accord, hein, c'était plutôt... C'est pour ça que... Des fois, il faut les faire, même si on sait qu'on va gagner.
Parce que moi j'ai déjà vu, c'est avec l'os de l'apocalypse où je fais des attaques de ville et je retire 250 mecs, tu fais hein? Quoi? Et là tu fais, attends, je vais la faire à la main, 10 morts. Ah d'accord, ok. Je savais bien que l'ordinateur faisait de la merde. Non, mais le problème c'est que. De toute façon, l'auto, ça reste. Enfin, l'objectif, c'est pas non plus de te pousser à faire que de l'auto, hein, donc. C'est ça. Entretien moins 20% pour les porte-pestes. Bon, bah, c'est pas mal. Ah, ça y est, on voit Marcus. Malus, pardon. Il est arrivé un jour. Tu pourrais le buter, non, comme ouais. Ça, j'aurais pu le prononcer. Bah, écoute, merci. C'est ce que je sais, c'est ce que je cherche à faire. Ce serait gentil de ta part, franchement. Pourquoi prendre l'usure, l'hôte? Ah, parce corruption. Qu'on est dans les désolutions du chaos de base. Mais, bah oui, mais justement, il n'y a que 11 de corruption, donc c'est pas ouf, quoi. Ah oui, la ville est vraiment à la limite de l'arche. D'accord. Bon, là, on va terminer cette petite construction. On en est où, en termes de croissance? Ouais, bon, j'ai un peu peur, quand même. Hein. Enfin, c'est pas ouf, franchement. Parce que l'armée de Malus, elle est pas déconnante. Ah d'accord, il a déjà son arme légendaire, d'accord. Héros des tempêtes, ça va être fait pour la victoire de campagne, au moins on n'en parlera plus. Alors du coup, on avait réussi ce truc-là, ça nous débloque quoi? Croissance plus 15 dans les provinces. Ouais, je pense qu'on va prendre ça parce que... J'ai le droit d'avoir 6 porte-peste. 6 porte-peste, bah c'est pas mal. J'ai pas les sous pour les recruter, mais je peux les avoir. Ah ouais, mais alors après, est-ce que moi je suis plus qu'à 1000, 1000 qui rentrent dans les coffres là, donc je me calme. Là, je suis à 200. Faut que je garde un petit peu mon investissement. Tu veux un autre cadeau? Non, c'est bon. Comme tu veux. Du tu coup, as ce que 68 je te propose, c'est d'arrêter l'épisode. 68 d'income. Ah oui, c'est un peu short. Ouais. Attends, je m'occupe de ça. Vas-y. Je fais la petite 158. Intro. Dès que t'as fini. Voilà, c'est bon. Et bah du coup, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Des bisous.